Yo les gars, nouvelle vidéo sur Dokk & Battle, aujourd'hui en ce lundi 28 novembre. Déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et je vous souhaite à tous les amis une excellente semaine. Alors, on a eu le reveal des stats et des spé du nouveau Yamcha Dokkan Fest qui arrive sur la version japonaise, je rappelle théoriquement Datadel d'ici demain, Portail d'ici mercredi logiquement, j'imagine vers entre 7 et 9 heures du matin. Pour information, je sais pas encore si je vais invoquer, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. Là, vraiment, je veux vous montrer les spé. Et ensuite, on va analyser la carte, parce que nous avons déjà la traduction grâce à notre ami Goresh. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Je ne me suis pas spoilé les spé, je ne me suis pas spoilé les stats. J'ai tout gardé pour la vidéo, pour faire un vrai react en direct avec vous les amis. J'espère que vous serez hypé autant que moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube les gars. Je rappelle qu'un concours est en préparation pour les 30 000 abonnés sur mon Twitter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est parti, on va d'abord regarder les spé. Attention, je me tais. Est-ce que la fin, ça ressemblerait pas à un active skill hein? J'ai pas vu les stats, hein, donc on va voir ensemble, mais c'est bizarre, le coup du Senzu, est-ce qu'à un moment donné, il récupère pas toute la vie ou quoi? Bon, on continue. Animation d'entrée. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau de ouf. Alors, l'aspect d'Yajirobe, je la trouve vraiment très marrante, très très rigolote et tout avec... voilà, bah, c'est Yajirobe en même temps, c'est un peu un personnage trollesque. Mais franchement, les animations de Yamcha, j'avoue que là... Attends, il va me le remettre au début? Non. Là, franchement, l'animation d'entrée, sympa. Très sympa, j'aime beaucoup. Mais là, l'enchaînement, il est cool. Après, c'est un active skill, j'imagine. À voir, encore une fois, on verra ça dans la description de la carte, mais là franchement, l'enchaînement est stylé. Avec le Kamehameha, franchement, c'est propre. En x2, ça doit être encore plus vif, plus cool. Et ça, par contre, ça, je trouve ça magnifique. Hein. Je trouve ça vraiment très bien fait. Non, c'est une dinguerie, les animations, on dirait vraiment à l'animé, c'est fou. En plus, avec les couleurs rouges et tout comme ça derrière, j'adore, regarde. La fluidité et tout. Et là, c'est en x1, les gars. Là, en fait, là j'attire votre attention parce que ça, c'est en x1, les amis. Et donc, en x2, bah, peut-être que ça rendra pas aussi bien. Après, si c'est un active skill, non, on l'aura que en x1, logiquement. Bon, ok, très bien. Bon, déjà, les animations, gros point positif, c'est des belles animations. Franchement, pour un Yamcha et un Yajirobe, je m'attendais vraiment pas à des trucs aussi propres. Donc, c'est bien. Maintenant, on va voir les traductions. On va aller sur le profil de Monsieur Goresh. Merci beaucoup pour les traductions. On va essayer d'enchaîner un peu rapidement. Alors, c'est un leader pour Saga Saiyan ou alors Warriors Raised on Earth. Alors ça, ce n'est pas terrien. C'est guerriers qui ont grandi sur la Terre ou qui ont été élevés sur Terre. Donc Goku va très probablement faire partie de cette catégorie puisque c'est un guerrier qui a été élevé sur la Terre, déjà de base. Donc ça semble être une nouvelle catégorie, normalement. Donc 170% de stats, 30, qui plus 3. Et bien sûr... 30% de stats en plus pour la catégorie Earthlings, c'est terrien. Donc on a notre premier leader 200% terrien, les amis, ça fait extrêmement plaisir. J'aimerais bien tester mon petit Krillin LR Prime Battle, pourquoi pas avec ce kit-là. Alors, l'attaque SP, Wolf Fang Kamehameha, très bien. Augmente l'attaque pendant un tour, j'imagine 30%. Grande chance de stun, une chance sur deux de stun sur l'aspé, très bien. Et sur le passif, Spirit Explosion, animation d'entrée. D'accord, au moment où il arrive, s'il est joué dans une team full, donc guerriers qui ont été élevés sur la Terre, c'est indiqué juste là, voilà. Autre que soi, bien sûr.
Parce que bon, 5 personnages autres que soi, c'est forcément une team full. Bon, il compte pas l'ami leader par contre. Il a, et en plus de ça, il va avoir ki plus 2, attaque et défense plus 150% pendant 4 tours, donc pendant 2 apparitions. Sachant qu'après, de base, il a ki plus 2 et attaque et défense 150%. Donc pendant les deux premières apparitions, il a ki plus 4, attaque et défense 300%. Il a attaque et défense plus 30%. En plus, à chaque fois qu'une attaque est lancée jusqu'à 150, ça se multiplie. Il a une chance sur 3 de proc le crit. Il a une chance sur 2 d'esquiver l'attaque ennemie. Il n'y a aucune autre condition. Il fait une attaque supplémentaire qui a une chance sur 2 d'être une spé. Et and perform another additional attack that has a high chance to become a super attack during the same turn in which the enemy attack was evaded. Et lorsqu'il esquive, il a une chance sur deux. Non. Lorsqu'il esquive, pardon, il fait une autre attaque obligatoirement qui a une chance sur deux d'être une spé. Donc de base, il a une attaque supplémentaire qui a une chance sur deux d'être une spé. Mais s'il esquive en plus, il peut. Donc, si les gens ont première position, forcément, puisque sinon ça ne proc pas, il a encore une attaque supplémentaire qui a une chance sur deux d'être une spé, si je comprends bien. Il a 10% de probabilité d'esquive à chaque fois qu'il lance une spé pendant le tour. Ça, par contre, par rapport aux 30%, je pense que ça s'ajoute, parce que c'est additional. Donc en gros, si t'esquives deux fois, il a 50% de chance d'esquive. Si tu fais deux spé, pardon, il a 50% de chance d'esquive. On va y arriver, c'est pas mal comme mécanique, c'est pas mal. Active skill, Extra Large Ball, Spirit Ball. peut-être utilisé à partir du... quatrième tour, non, c'est ça? Non, attends, able to be used once, four or more. Ah non, une fois qu'il a esquivé 4 attaques ou plus. Ça, c'est un peu chaud, mais bon, soit, ça peut quand même arriver. Ou alors, lorsque tous les alliés qui attaquent dans le tour sont les guerriers qui ont été élevés sur la Terre. Donc, en gros, bah, ça peut proc dès le premier tour, logiquement. Puisque si tu le joues dans une team full guerrier élevé sur la Terre, forcément, ça va proc. Bon, très bien. Dommage suprême, et il proc le crit. C'est ça, hein. Ah non, il a l'attaque qui est sûre de faire mouche. Voilà, c'est ça. Guaranteed to hit. Donc en gros, c'est pas du crit, hein. C'est là l'attaque sûre de faire mouche. Donc si l'ennemi en face esquive, l'ennemi ne pourra pas esquiver l'active skill. Très bien. Bon. Bah après, c'est des catégories de Yamcha, hein, forcément. Tu vois, digne rival, Kamehameha, école de la tortue, terrien. Bon, ça après, forcément, il va rentrer plus dans une team terrien, c'est parfaitement logique. Après, peut-être une team Kamehameha, puisque école de la tortue, Kamehameha, potentiellement vitesse époustouflante, bon, combat acharné forcément. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, à voir, en tout cas pour l'instant, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien... il dit qu'il donne en plus 30% de stats à école de la tortue, donc, alors, lead 200% école tortue et terrien. Il avait oublié d'ajouter ça à Goresh ici. Franchement, c'est propre, hein. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'ici, quand même, 300% de stats et 150%, c'est hyper propre. C'est vraiment très très propre. Je voulais juste voir rapidement parce que si on ajoute... Je voulais calculer sa valeur de def parce que là, ça me paraît vraiment intéressant. Dans 6280, donc c'est 8280 avec l'arbre. Les deux premières apparitions, il a 300%, donc tu fais x4, bien évidemment x5 pour le leader skill. Et après, il a 150% de parties qui se multiplient, donc tu fais x 2,5 une fois qu'il est full stack. Ah, il monte à 400 KDF sans doublon. Et là, j'ai pas compté les liens, les gars. Donc 400 KDF sans doublon full stack, sachant qu'il prend pas de def sur l'aspect. Eh bien, ma foi, c'est parfaitement solide. Après, encore une fois, c'est normal. Avec le power creep des events qu'on a, il faut que les unités aient 400 KDF minimum, sinon elles se font exploser la tronche en red zone. Mais franchement, très très belle surprise. Partie multiplicative de l'esquive... des chances de crit, hein, 3, quand même une chance sur 3 de crit, donc potentiellement leur rentrer un peu plus d'attaque supplémentaire. En plus de ça, je crois qu'il a intelligence, donc s'il a intelligence, oui, il a intelligence, il aura une petite partie qui lui permettra, vu qu'il a 5 points de base d'esquive, de proc potentiellement plus de probabilité d'esquive par rapport à ce qu'il a dans son passif. Un active skill cool, des belles animations, un beau token fest. On va passer sur Yajirobe, ça y est, El Famoso, les amis. El Famoso. Donc. Il y a Jirobe, est-ce qu'on a le leader skill quelque part? Il a pas mis le leader skill? Ah, j'ai peut-être raté quelque chose, donc bon, il part directement sur l'aspect, très bien. Augmente de 100% la def pendant un tour, bloque l'attaque spé, ki plus 3, attaque défense 150%, il donne ki plus 1, attaque défense 30% à tous les personnages de la team, enfin, à tous les alliés sauf lui, c'est indiqué. Il a défense plus 20, 120%. Attendez, gain additional defense, and all allies other than this character gain additional key plus 1 for 3 turns when collecting key.
Ah d'accord, il faut qu'il soit joué en troisième position. En fait, quand il est joué en troisième position, il a 120% de défense en plus, et il va donner en plus qui plus 1 attaque et défense plus 20%. C'est un vrai support. C'est un vrai vrai support. D'accord. Il va avoir attaque plus 150% et 70% de probabilité de proc le crit quand il part en spé en tant que troisième dans la rotation. Donc oui, voilà. Donc tu le joues en troisième dans la rotation, tu vas avoir défense plus 120%, attaque plus 150%, et en plus de ça, 70% de probabilité de proc le crit. Tu vas donner du coup bah, en tout et pour tout, qui plus 2, attaque et défense plus 50% à tous tes alliés. Ah, c'est une dinguerie. C'est une grosse, grosse dinguerie. Et en plus, quand il est joué en troisième position, c'est vraiment trop lesquin. Il a une chance. Non, il a 70% de probabilité d'esquiver. Il est incroyable en vrai. Et en plus de ça, il peut survivre au chaos. Il a un genre de Fukatsu. Et c'était ça l'animation qu'on a vue tout à l'heure. Il recover 10% des HP. À la fin du tour, les gars, nous avons un vrai support. Ça, c'est un vrai support. C'est le respect, parce qu'il y a Jirobe. Tu peux pas non plus en faire une carte totalement broken de ouf. Mais ça, c'est un vrai support. Parce que franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, quoi. 70% de probabilité d'esquiver. 70% de probabilité de proc le crit quand il part en spé. C'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. En plus de ça, il prend 120% de def et il donne encore des stats aux alliés en jouant en troisième position. C'est un vrai support, les amis. Un vrai support. Donc l'active skill peut proc une fois que 5 tours ou plus sont passés durant le combat. Très bien. Lorsqu'il est joué avec un autre guerrier élevé sur la terre, catégorie, voilà. Et lorsque les HP sont à 40% ou moins. Ok, très bien. Ah, recover full HP. Et en plus, il soigne les altérations d'état. Ça, c'est bien. Notamment dans les red zones où on te lock les rotations, où on te stun, où on peut te bloquer l'aspect, etc. Ça, c'est quand même très très bien. Et bah franchement, alors il sera joué dans sa team ou dans Earthling. Ah, potentiellement Saga Saiyan, à voir. Après, voilà, il a malheureusement un link set un peu éclataxe. Mais en tout cas, très belle surprise, les gars. Très belle surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je pense pas que j'invoquerai sur la version Jap parce que... en même temps que je faisais la vidéo, j'y réfléchissais. Je me dis, je ne peux pas invoquer, les gars. Il y a l'anniversaire bientôt. Dans 2 mois, il y a l'anniversaire. Faut que je pack à mort pour l'anniversaire. J'ai quasiment 900 DS. J'ai peut-être une multi, histoire d'on sait jamais. Mais bon, sur la Jap, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de luck. Donc, on va voir. En tout cas, on arrive au terme de cette vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. Moi, j'ai adoré. J'adore faire les analyses de cartes. J'espère que c'est contagieux. Voilà. Et sur ce, bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve ce midi sur Twitch pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, pour invoquer, et bien sûr, Vegeta Trunks. Sur ce, passez une excellente journée, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une vidéo sur Dokkan. Ciao !